Dimons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à préciser deux choses. Je ne suis pas chez moi, je suis en vacances chez ma mamie et je m'excuse auprès de Tilou avec qui j'avais tourné cette vidéo à la base, mais le son était absolument catastrophique pour cause de bruit extrêmement dérangeant à cause de Skype vu que j'étais avec Tilou et au fait que je gueulais tout le temps. En fait, les moments où il n'y avait pas de bruit, je gueulais. Et je gueulais pas au moment où il y avait du bruit. Du coup, je retourne cette vidéo. Youpi. Dernière chose, j'aurai bientôt ma caméra, je ne sais pas exactement quand. Peut-être que je l'aurai déjà alors que vous regardez cette vidéo, peut-être pas, je ne sais pas du tout quand je l'aurai, mais je l'aurai avant le 16 août. Avant le 16 août. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Sur les pages Mathieu Sommet et Antoine Daniel, même leurs noms sont exceptionnels, ainsi que Matone Shipper et Fier de l'être. Non, avec le recul, je tiens à préciser que ces noms font beaucoup trop groupies pour moi. Je vous avais demandé sur ces pages de me poser des questions et je vais donc y répondre parce que c'est le principe d'une FAQ. Merci également à Tilou qui, quand je lui ai dit que je faisais une FAQ, m'a envoyé une dizaine de questions environ. Donc si tu passes par là et je sais que tu vas le faire, merci beaucoup. Du coup, j'arrête de blablater et on commence tout de suite. Tu préfères les anciens ou les nouveaux SLG? Alors, je préfère les nouveaux, tout simplement parce qu'il y avait des blagues dans les anciens SLG qui ne me faisaient pas rire et qui, en plus, elles me choquaient pas, mais... Enfin, si, mais choquer, c'est un peu hyperbolique comme terme. En ce moment, depuis quelques temps, je préfère les vidéos qui me font réfléchir et qui m'aident à faire évoluer mon point de vue. Du coup, les nouveaux SLG, c'est une mine d'or pour moi. Je pense que beaucoup de monde préfère les nouveaux SLG. Si tu devais choisir entre passer une semaine dans un parc d'attractions avec Antoine ou une semaine à la mer avec Mathieu, que choisirais-tu? Alors, une semaine dans un parc d'attractions, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je crois, je suis pas très confiante. Je manque extrêmement de confiance en moi, j'ai très beaucoup de complexes. Je déteste aller à la plage. Qui plus est, je ne suis allée qu'une fois dans toute ma vie dans un parc d'attractions. Je sais plus j'avais quel âge. J'avais moins de 10 ans. Et j'avais pas assez de montagnes russes. J'ai jamais fait de montagnes russes de toute ma vie. J'ai fait une grande roue, hein, je vous rassure, mais j'ai pas fait de montagnes russes. Je considère que je ne peux pas mourir tranquille sans avoir fait de montagne russe. Question bizarre de cette vidéo parce que dans toutes les FAQ, il y en a une qui est bizarre. Ce sera celle-là. On la considère comme l'enfant bizarre de cette vidéo. Voilà. Tu préfères te faire sodomiser par Mathieu déguisé en licorne ou par Antoine déguisé en banane? Alors, je vais vous répondre honnêtement. Je préférerais que Antoine déguisé en banane sodomise Mathieu déguisé en licorne. J'espère qu'il n'y a personne qui m'entend en travers la porte parce que j'ai l'air bien conne. Tu la posteras quand ta FAQ? Ceci est une question à répondre dans la FAQ. Donc normalement, si je ne me trompe pas... Il y a une porte qui a claqué. Donc si je ne me trompe pas, je la posterai le 4 août 2015. Je ne sais pas pourquoi je précise l'année, mais elle sortira le 4 août 2015. Si j'y arrive. Normalement, ça devrait être bon. Mathieu Sommet ou Antoine Daniel? Les deux. Voilà. Tu préfères passer une semaine dans un endroit de rêve avec Antoine et Mathieu et mourir juste après ou mourir sans les avoir rencontrés? Probablement l'option 1 parce que ça serait cool de passer un peu de temps dans un endroit genre paradisiaque. Avec mes deux youtubeurs préférés. Donc je pense que ça serait cool. Même si je dois mourir après, je pense que ça sera sympa. Depuis combien de temps suis-tu Antoine Daniel et Mathieu? Mathieu depuis environ 1 an et demi. Antoine depuis un peu plus de 2 ans. Quel est ton manga préféré? Je lis très peu de mangas, mais je vais quand même répondre Chocolat et Vanilla parce que c'est la seule saga que j'ai finie. De manga, seule saga de manga. Connais-tu Fairy Tail? Très vaguement.
Pourquoi as-tu choisi rhubarbe comme signature? Donc, pour les deux pages précédemment citées, je signe en tant que rhubarbe. C'est parce que je cherchais un nom qui correspondait à SLG et c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Et depuis, la rhubarbe a pris une place très importante dans ma vie. De SLG, tu préfères quelle personnalité? Maître Panda. Où est ton chat? Chez moi, en Guyane française. Sachant qu'il est 14h56 là-bas, probablement dans la chambre de mes parents. Tu préfères qui entre Fanta et Bob? Bob. Bob Lennon, définitivement. Ton jour préféré de la semaine, le samedi, parce que le lundi, j'ai pas besoin de dire pourquoi je déteste le lundi, le mardi. Le mercredi, ben tu travailles quand même le matin, puis mercredi c'est pas une ambiance top. J'aime pas le mercredi. J'aime pas le mercredi. Pas du tout, non. Le jeudi, pareil, tu travailles, le vendredi, c'est le week-end, mais à la fin, t'es complètement crevé, donc du coup... Moi, personnellement, je suis tellement crevée en rentrant le vendredi soir que je profite pas de ma soirée. Le dimanche, parce que le lendemain, tu retournes en cours et que tu déprimes vraiment beaucoup. Donc, le samedi, tu déprimes pas, tu t'es même pas obligé de faire tes devoirs parce que t'as encore le dimanche pour le faire. C'est parfait. Mon sport préféré, je pratique très peu de sport, mais j'adore la natation. J'adore la natation. Mon plat préféré, le gratin de pâtes. C'est pas original, mais qui a dit que je l'étais? Tu préfères la piscine ou la plage? Si vous avez suivi cette vidéo, normalement vous connaissez la réponse. C'est la piscine. Ton parfum de glace préféré? Nutella. Je suis allée sur le port de la Cotinière à l'île d'Oléron dernièrement et j'ai mangé une glace au Nutella. Fiel que j'aime le Nutella. Groupe de musique préféré, Maroon 5. Je ne connais pas une seule chanson nulle de ce groupe. J'adore Maroon 5. Ça change un peu, sachant que depuis quelques temps, je suis sortie d'une grande phase One Direction. Don't judge me, please. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais un peu vite parce que je dois aller mettre la table, en fait. J'avais raison. Mes parents sont venus me demander de mettre la table. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo hyper spéciale, écrite. Ça fait super longtemps que j'avais pas écrit de vidéo. Et bientôt, vous allez avoir le deuxième épisode des chroniques de Shinigami. J'ai trop hâte de vous le montrer parce que j'ai passé pas mal de temps dessus. C'est pas mal de temps que j'ai réfléchi et super contente de l'avoir terminé. Aussi pour bientôt, je vous réserve pas mal de challenges pour vous spoiler un peu. Le How Well Do We Know Each Other Challenge, le Jelly Belly Challenge, le 1-2-3 Best Friend Tag... Plein de challenges comme ça, je vous prévois plein de trucs comme ça, plein de trucs, petits trucs sympathiques avec les copines. Vous allez voir mes copines, c'est génial. Du coup, si vous avez des idées de challenges que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je verrai ce que je peux faire. Et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.